Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vous dites là? Gogo aussi, mais salut vous. Les sombris, ils m'arrêtent aujourd'hui à la. Matin, ça là, mon cher là, ça. Ils font un petit parler matin. Comment vous dites? Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, quel que soit côté où vous mais salut nous. Ils sont plaisir avec nous aujourd'hui. Et bah pour être en ville, on va faire ça avec ça. On va faire avec ça pour me souligner vos positions MBBJ sur situation de corruption ça qui a touché l'actualité là. So remember Belgrade. Ma valorise a commencé à l'heure du professeur, à l'heure du tout. Bon, ça, et Zigo, ça qu'a fait, en forme de lâcher la vraie. Et, maintenant, là, nous allons, je dis à la nouvelle fonti parler, même les nouvelles britanniques, nous allons fonti parler sur dossier, et corruption, et 100 000 gouttes là, 100 millions de gouttes là. Et très important. Très important. Et chalabla pour moi. Et il y a des situations en réalité. Nous trouvons là-dedans. Et qui s'est passé? Il y a un incident qui est passé au cours de semaines qui sont passées à là, qui sont écoulées à là. Côté que, il y a des révélations qui faites sur un cas de tentative de corruption qui a été faite au niveau du, de CREI présidentiel. Maintenant, il semblerait qu'il y ait 3 conseillers et puis 3 présidents conseillers en quelque sorte qui t'a fait pression sur le président directeur de BNC, Banque Nationale de Crédit en Haïti, côté que il demandé monsieur si vous voulez rester dans le poste il faut le tabac à peu près 100 millions de gouttes. Maintenant, moi, grand pile parle en pile sur question ça. Et, moi-même, c'est ça te fait, ouais, ma première révolution, ma bataille pour révolution, c'est parce que, conseil de pratique, regardez, dans la société haïtienne, non? Pratique ça, yo préjudiciable, avec ça nous t'a supposé en tant que peuple, qui mettait nous dans les conditions que nous y là. Nos 3 représentants, ça y nous gagnons, et Smith Augustin qui se représentant ID, ok? Nous gagnons Gérard Gilles, ok? Nous gagnons et Vétilère qui se représentant et Petite Dessalée. Maintenant, si nous remarquons bien, il y a un comportement. Moi, je remarqué en dedans société, classe politique traditionnelle là. Et c'est bien malheureux, aujourd'hui, hein, pour des jeunes garçons, jeunes femmes. Il y a des gens qui disent, mais pour quelle raison? Et, nous devons toujours connaître que depuis jeunes garçons, ça, entrer en dedans, classe politique traditionnelle, ça. C'est même pratique politique que vous faire. Par exemple, si nous regardons aider, parti politique Claude là, n'a pas le gros paquet de jeunes là dedans. Mais l'obgade bien profil jeunes là, l'obgade d'un jeune qui ambitieux, ce qui est tout à fait normal. Mais en réalité, jeunes ça, ce sont des jeunes, en quelque sorte, m'a demandé, est-ce que yo là pour yo reproduire même pratique classe politique traditionnelle là, t'as fait depuis des années. Qui s'allie. Et c'est ça qui a plongé société haïtienne là. Corruption. Et c'est ça qui a plongé l'État haïtien. Corruption, impunité, corruption, impunité, corruption. Maintenant, l'on a un parti politique tant qu'on aide, ok, que Claude a lead. Et puis qu'on y a l'Ivoirien représentant lui dans le conseil présidentiel là. Maintenant, une situation qui présentait, qui t'a fait comprendre que des allégations, des accusations, qui t'a fait comprendre que, en quelque sorte, toi représentant t'as fait pression, en quelque sorte, entraînant trafic avec président et Banque Nationale de Crédit, hein, côté où t'as sollicité 100 millions de gouttes d'emmène pour monsieur Takebe Poste. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'est pas n'importe monde qui fait travail, ça, c'est deux institutions qui sont en jeu. Vous avez de côté le Conseil présidentiel de transition, ok, et de notre côté, vous avez la Banque Nationale de Crédit. C'est deux institutions étatiques que la population supposée faire confiance, en quelque sorte. Intégrité institution, ça, yo, avec question crédibilité institution, ça, yo, supposé et inspirer confiance à la population haïtienne. Maintenant, attendez bien ce dont il est question. Le problème qui se pose, c'est que, gon arrogance, gon fréquencité, gon gros poignet qu'a fait en dedans société haïtienne, depuis négla, dans le pouvoir, ou bien depuis négla, li non acquaintance politique. Ça veut dire, il senti que, li qu'a fait n'importe bagaille, malversation ou bien corruption, l'a sorti fruit de lui. Parce que gon pattern en dedans l'État haïtien, les nèg la gade li wè que OK l'argent Petro-Caraïbe coulé pas jamais yo pas jamais arrêté on pinaise OK les nèg la voye li gade li wè l'argent CREI coulé yo pas jamais arrêté on pinaise tout moun sorti impuni. Maintenant c'est normal si nèg la arrivé dans l'état dans tête l'état nèg la senti que en d'autres termes s'il t'a exigé 100 millions de goudes avec président Banque Nationale de Crédit, hein? Même les otakin bill, yo pas bill, ça va affecter. Ça va faire ni chaud ni fret. Parce que le connaît dans qui modèle l'État, il faut être tête li. Il connaît dans qui l'État l'entrée, il connaît c'est non l'État qui accepte corruption. OK, depuis on moun corrompu, au contraire c'est promotion joine. Depuis on moun corrompu, yo ken bon dans corruption, yo pas faire rien, qui te gen rapport, qui te gen preuve, qui te gen données. Ça va déranger en quelque sorte. Ça va déranger. Et c'est ça qu'on va assister là. Tout le monde innocent dans le pays d'Haïti. Yo met Kembe nèg la dans corruption. Pour question Petro-Caraïbe, tout le monde innocent. Pas de cop, yo pas côté cop passé, tout le monde innocent. OK? Dans question série H, rapport à Kablan Bay, tout le monde innocent. Pas de monde qui pas innocent. Tout le monde dit c'est persécution. Tout le monde sorti note, c'est persécution. Tout le monde sorti note, c'est persécution. Tout le monde sorti note, c'est pas vrai. Est-ce que nous avons construit un pays comme ça? Est-ce que nous avons construit? Maintenant, États-Unis sorti rapport. États-Unis sorti rapport. États-Unis prend des sanctions. Le Canada prend des sanctions. Et a fait exigence auprès des Nations Unies pour prendre sanctions contre ceux de nègres qui estimés qui corrompus, qui financent gang en dedans pays. Les arrivés sur le premier nèg qui sorti note, yo sorti note, yo il a sorti note, oh oui, États-Unis c'est pas vrai, c'est menti à fait. La mode sorti note, oh États-Unis c'est menti. Ça veut dire, ou non situation, ou non pays, qu'on est que, depuis on kembe nèg là, c'est persécution politique, depuis on kembe nèg là, la manipule l'opinion publique, on a le monde sort, fanatique, et puis, le dogo ça, oui, ceci, cela, c'est persécution, oui, nègre, dirigeant pas fait le vrai. Il a dit, gon sitirance, quelque part, qui cause nègre là, depuis le casser caisse l'État, depuis le voler l'État, depuis le manger l'argent l'État, depuis le bouler, craser toute bagarre l'État, il a sorti fruit en fait. Ça va déranger. Maintenant, si nous disons fait pays, faut nous quitter vice. Nous-mêmes, surtout population, ça. Comment nous faire accepter bêtise ça? Et c'est ça que fait, ouais, toujours dit ça, et m'a prédit. Ok? M'a prédit encore. M'vine rendre moins compte, c'est pas, et pas, nèg qui au pouvoir, ou corrompu. C'est société haïtienne dans la mentalité qui corrompu. C'est chaque grain haïtien, en dedans pays d'Haïti qui corrompu même. Parce que, comment vous voulez? À chaque fois Yo qui bon groupe nèg dans volant, dans corruption, ou gen moun dans société haïtienne qui prêt pour défendre yo. Yo gen moun dans société haïtienne qui prêt pour dire oh oui, c'est persécution. Nèg la monter dans radio, une radio qui pour ba l'espace pour venir dire oh oui, c'est persécution. Et pour jeune moun qui défend yo, ou jeune moun qui fait diversion, ou jeune moun qui n'a pas parti, qui manger comme qui pour dire oh oui, c'est pas vrai. M'bal ba nou exemple très simple. Qui comportement nous respecte? Mon parti aidé, mon parti Petite Dessalée, mon dirigeant parti aidé, dirigeant parti Petite Dessalée, dirigeant et red historique, qui comportement nous dépensons? Vous pensez que t'a pral paraître comme si vous t'a pris des mesures disciplinaires, ok, en attendant que l'enquête la faite. Expliquez-nous bien, ça me dit par là. Est-ce que nous connaissons aux États-Unis, dans toute institution américaine, depuis qu'il y a un scandale qui fait, premier bagay yo fait, pour permettre enquête faite, premier bagay yo fait, son mesure préventive yo prend. T'aimerais dire samedi à là. Ou aux États-Unis, bon, bah, nous exemple. Si on kimbe, si on dit qu'on a allégation, on complète, ou bien yon bagay, yon reproche, yon dirigeant aux États-Unis. La première chose à faire, gouvernement américain a fait, institution ça, pour préserver et sauvegarder l'intégrité et la crédibilité de l'institution. Première mesure à prendre, c'est une mesure disciplinaire préventive, oui. C'est-à-dire, il y a écarté moun en attendant que enquête ou bien investigation établit les faits. Maintenant, si fait yon reproché moun en quelque sorte, li pa avéré vrai après investigation, y a réintégré moun dans position. S'il avéré vrai tout, maintenant y a passé avec des sanctions beaucoup plus sévères. Mais en Haïti, c'est pas ça du tout le cas. Comment on veut qu'on nèg ou que trois nèg trois conseillers présidentiels yo accusé non cas de malversation. Tendez bien. Dès qu'on est OK, des doutes ou qu'à laisser un doute. Mais lorsque yon président, directeur de BNC, lui-même, adresse son lettre, on complète, il porte plainte par devant et Premier ministre. OK? Il rapporte faire auprès du Premier ministre de la République. Et ceci, lui, qui ça le fait? Il finit fait. Li achemine l'État, li saisi ULCC pour demander l'investigation soit faite. Maintenant, ça veut dire, si nous bien comprenons bien, dans la démarche qu'on dit là, so, nous devons comprendre qu'il y a des considérations. Mais logon président directeur de yon banque, comme ça, qui ouvertement adresse son lettre, et pas pareil comme si nous son simple citoyen qui paraît qui accusé on conseil président. C'est pas un simple citoyen. C'est un haut fonctionnaire de l'administration publique. C'est un président de la Banque nationale de crédit qui accuse les trois conseillers présidentiels. C'est un haut fonctionnaire lié. Maintenant, le problème qui se pose, si tel est le cas, ok? Si tel est le cas, nous comprenons que vous n'avez pas écarté de mission, mais pour trois partis, pour partis politiques, vous avez audacité. Ça veut dire que nous avons une classe politique pourrie. Nous déjà avons un groupe. Ça veut dire au cas où tu as une corruption vraie, partis politiques choisissent délibérément protéger l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt de la nation. Nèg yo décidé à travers comportement yo. Et c'est ça que me dit. Dans un contexte de grave, dans un contexte de crise de gouvernance, un dossier comme ça de corruption qui impliquait trois membres dans le conseil présidentiel là, non seulement il mettait en lumière défaillance institution publique, et attention, Mais aussi situation ça, li compromet intégrité institution yo et li fragilise confiance population alors que n'a fait face avec d'autres situations qui sont beaucoup plus graves. Dans le moment où on a parlé là, c'est pas le moment où on n'a pas attendu cas de gravité ça là non. C'est pas le moment pour nous tachita pour nous attendre. On peut exposer à toute forme de défi ça. Grand goût, misère, insécurité, calamité, problème, exil. Et puis pour ne pas paix dans la période de 3 mois, premier bagay qui montait, qui manifestait, c'est corruption, c'est accusation de corruption. Accusation de corruption. Et le pire, ça pire alarmant, et c'est l'âme sidérée, c'est décision parti politique aider, Petite Dessalée, red et compromis historique, qui ont décidé à porter soutien yo, avec 3 présidents conseillers sao qui concernés par cas. Malgré yon qu'on ait des risques considérables qui capable affecter bonne marche affaires publiques institution yo. Still yo choisi privilégier intérêt politique yo au détriment de l'intérêt national. Malgré nèg yo connaît ka sa yo reproché zanmi yo et représentant yo. OK? Déjà li porté atteinte à l'intégrité institution politique et publique yo. Li porté atteinte à crédibilité institution politique et institution publique yo. Still nèg yo pa paix avec audacité. 3 partis politiques ça ou pas paix avec aucune crainte, sans aucune décence morale ni éthique. Yo décidé porter soutien yo. Écoutez, yo décidé porter soutien aux représentants. C'est un gros problème, un gros danger. C'est pas un danger de peser sous tête nous là non. Avec pratique ça ou non. Tenez oui, un gros conseil. Ça veut dire nèg yo choisi privilégier intérêt politique partisan au détriment de l'intérêt national. C'est-à-dire que parti politique yo plus important que institution pays, que institution l'État. Ça veut dire que nous devons dire, yo pas care, ça va déranger, ça va garder. OK? Et vous comprenez cette belle là, soutien ça nous ouais nèg yo bay là. Parti politique ça au porté là. Li témoigner de, en quelque sorte, regardez, il témoigne d'une gravité claire de la part de ces partis politiques en matière de éthique politique et responsabilité. N'est-ce qu'il n'y a pas aucune éthique politique. Depuis Mkawe, n'est Claudio aider, appuyer ça, soutenir Smith. Depuis Mkawe, Libéris, entraînant des marches pour soutenir Nexayo. Mon cher, je vais dire non, petit bagay. Jovenel pas de capable de mourir, regardez. Jovenel pas de capable. Parce que Jovenel t'est entouré avec Nek qui traite. Un gros côté. Parce que, imaginons un instant. Pour Nek entrer, inscrit tête au nom des marches comme ça. Alors, Nek va me dire nous tout. Son choix, un choix stratégique que Nek fait. Il a fait, moi-même, dans parti politique, dans démarche parti politique, ça, yo, moi trouve une gravité extrême. Une gravité extrême, et gravité, ça, et, mes chers amis, les laisser à désirer. Maintenant, matin, j'ai décidé de sortir une note au niveau de MBBJ, en communiqué de presse. Parce que, si pas de monde qui dénonce, bah, ça, yo, nous ne pouvons jamais comprendre qui ça nous prend dans le pays d'Haïti. Si pas de monde qui dénonce, nous ne pouvons jamais comprendre qui ça pondait sous tête pays d'Haïti. Et dans notre ça nous dit, ok, ma parole libre pour nous, notre là, ok, communiqué de presse, dimanche 28 juillet 2024, corruption au conseil présidentiel de transition, MBBJ 109 dénonce le soutien inadmissible des partis aidés, Petite Dessalée, raide compromis historique. Dans un contexte de grave crise de gouvernance, la récente révélation de dossiers de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition met en lumière une défaillance inquiétante des institutions publiques. Cette situation compromet l'intégrité des institutions étatiques et fragilise la confiance de la population en aggravant les défis déjà présents pour la nation. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la décision des partis politiques aidés, Petite Dessalée, raide compromis historique, qui ont apporté leur soutien aux trois présidents conseillers concernés. En dépit des risques considérables sur la bonne marche des affaires publiques, ces partis choisissent de privilégier leurs intérêts politiques au détriment de l'intérêt national. Ce soutien témoigne d'une priorisation déplorable des intérêts partisans sur les besoins et les attentes de notre pays et démontre une grave défaillance en matière de responsabilité et d'éthique politique. L'acceptation tacite de comportements corrompus et la protection de ceux qui devraient être tenus pour responsables vont à l'encontre des valeurs fondamentales de transparence, d'intégrité et de justice. Ce choix stratégique ne fait qu'accentuer la crise de confiance déjà préexistante parmi les citoyens et compromet davantage la crédibilité des institutions publiques. En favorisant des intérêts partisans, au lieu d'opter pour des mesures correctives et de transparence, ces partis contribuent à la dégradation de la confiance publique et à l'érosion des valeurs démocratiques essentielles à la stabilité et à la prospérité de notre nation. En raison de ces enjeux cruciaux, MBBJ 109 estime qu'il est impératif de replacer l'intérêt général au cœur de nos actions et de garantir que les institutions publiques demeurent des bastions de probité et de confiance. La démocratie et le bien-être de notre nation exigent que les principes de moralité et de transparence prévalent sur toutes les considérations partisanes. Car lorsque des membres de conseil présidentiel de transition sont impliqués dans des affaires de corruption, cela sape directement non seulement la légitimité des institutions étatiques, mais également érode la confiance du public en la capacité des institutions à fonctionner de manière juste et équitable. Les citoyens perçoivent ces institutions non comme plus des garantes de l'ordre et de la justice, mais comme des entités corrompues et partiales. MBBJ 109 tient à rappeler également, pour plus d'un, que la confiance des citoyens est essentielle pour le bon fonctionnement des institutions démocratiques. La révélation de la corruption parmi les plus hauts responsables renforce le sentiment de cynisme et de désillusion parmi la population. Cette méfiance généralisée peut mener à un désengagement civique, une diminution de la participation politique. MBBJ 109 veut souligner également que la corruption au sein des institutions de gouvernance entrave leur capacité à prendre des décisions impartiales et à mener des politiques efficaces. Les ressources publiques peuvent être mal dirigées, les priorités nationales peuvent être ignorées et les politiques peuvent être influencées par des intérêts personnels ou partisans plutôt que par le bien-être général de la population. Donc, lorsque les institutions censées réguler et surveiller sont elles-mêmes corrompues, cela affaiblit la capacité de la société civile à lutter contre les abus de pouvoir. La désillusion croissante des citoyens peut également réduire leur volonté de s'engager dans des actions collectives pour demander des comptes. Ainsi donc, MBBJ 109 croit fermement que la restauration de cette confiance nécessite une action résolue et transparente pour garantir que les institutions servent effectivement les intérêts de la population et non ceux des individus corrompus et Seule la révolution est à la hauteur d'une telle aspiration. Eh bien, moi-même, m'a dit aujourd'hui, là, c'est cette révolution qui a combattu la corruption dans le pays. Une fois de plus, yo ba nous raison. Ça veut dire que nous montons en transition pour y aller voler, casser caisse l'État. Nous montons en transition pour y aller casser si caisse l'État qui gagne en corruption. Les gens qui sont en corruption, ils ont les amoués. Ils ont tout dit, m'a soutenu, ou à soutenir tel, ou à soutenir ceci, ou à soutenir cela, parce qu'en réalité, ils ont en corruption. Mes chers amis, moi saute ça pour nous, moi quitte là. M'a dit nous ça aujourd'hui là. Vle pas vle révolutionner. Parce que la classe politique ça yo corrompu. Et comportement aidé. Avec tout comportement et parti politique. Petite Dessalée. Avec tout comportement raide. Avec tout comportement compromis historique. Pour vle clairement que n'est pas inscrit tête yo. Non perspective pour combattre corruption. Au contraire. Yo inscrit tête yo non démarche. Pour renforcer pratiques corrompues qui existent dans l'État, pour renforcer pratiques corrompues qui ont toujours existé et ont même inscrit dans le même démarche. C'était ça que je partager avec nous. Moi, c'était nous, conscients que ces révolutionnaires, pas de route pas bas, passez bonne journée, à très bientôt. Ciao.